Pierre de Toute, à Saint-Chamas, en Provence, vous l'avez vu. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants. Alors, ça ne fait pas qu'on dit nouveaux arrivants. Donc, soyez les bienvenus au nouveau Saint-Chamassin, parce que vous êtes des nouveaux Saint-Chamassins, vous êtes des Saint-Chamassins tout court, et vraiment, on est ravis de vous accueillir ce soir. Alors, pour vous accueillir, vous avez vu, on a mis quelques drapeaux, quelques costumes, quelques vidéos, on a mis des petits plats dans les grands, et puis on a quelques personnalités qui sont venues nous accompagner pour vous accueillir. Et je voudrais en premier lieu appeler notre député, M. Jean-Marc Sulisi, qui est souvent, on va dire très souvent à nos côtés. Jean-Marc, viens nous rejoindre, s'il te plaît. Monsieur le député Jean-Marc Sulisi. Et puis, tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous parler un petit peu de notre commune, notre belle commune. Mais on a la chance d'avoir des établissements scolaires sur la commune, et notamment, nous avons un collège. Et donc, j'appelle à venir nous rejoindre madame la principale, Martine Roguet. Vous pouvez l'applaudir également, Martine Roguet. Parmi nous, nous avons un très beau collège, je veux dire un collège de très bon niveau sur la commune. Notamment pour ceux qui ont des enfants en âge d'être scolarisés ou futurement scolarisés au collège, franchement, rien à dire sur le niveau. Martine, bonsoir. Et nous avons également un lycée professionnel. Et j'appelle monsieur le proviseur, monsieur Leclerc. Jean Leclerc, s'il vous plaît. Pour vous montrer que sur Saint-Chamas, ça bouge, nous avons aussi un conseil municipal des jeunes. Et j'appelle tous les membres du conseil municipal des jeunes à venir me rejoindre aussi. Vous pouvez les applaudir. J'ai été élu l'an dernier. Et il sera fier à chaque cérémonie, à chaque manifestation, de porter cette superbe écharpe, cette écharpe tricolore, qu'ils arborent avec fierté, mais surtout avec beaucoup de responsabilité. Et croyez-moi, ils travaillent beaucoup pour que leurs idées soient mises en avant, pour que leurs idées avancent, mais surtout pour que le cadre que je suis arrive à mettre en œuvre ce qu'ils me proposent. Il y a des choses que l'on peut, il y a des choses qu'on ne peut pas, les loups, notamment la passerelle, on en parlera. Mais voilà, il y a un conseil municipal des jeunes qui se donne sans compter. Et puis on a aussi un conseil des sages que j'appelle à venir me rejoindre, en tout cas pour les membres qui sont là. Daniel est là, Jean-Louis est derrière. S'il y a d'autres conseillers, conseiller municipal des sages, Simone, voilà, Simone, Huguette, Lucette, voilà, venez me rejoindre. Tous les conseillers du conseil des sages, venez me rejoindre. Ce sont des instances qui sont essentielles au fonctionnement de notre commune, mais surtout à la démocratie de notre commune. Je crois que c'est important de temps en temps de pouvoir aussi, à certains moments, avoir des idées qui viennent de notre belle jeunesse, avoir des idées qui viennent de nos sages et qui ont un regard éclairé, analysé sur ce que l'on fait ou ne faisons pas, puisque si de temps en temps on tient derrière en disant ça, ça doit avancer plus vite. Voilà, en tout cas, je tenais à les mettre, j'allais dire, en avant, à mes côtés. Tout à l'heure, on aura le plaisir à nouveau d'entendre les débats, ainsi que nos jeunes conseillers juniors, on va dire conseillers municipaux des jeunes, la cérémonie, la coupe au centre et la Marseillaise. Hein, on ne chante pas tous ensemble. Voilà, je vais donc, comme je l'ai dit, les bienvenus, mais pourquoi on fait ce type de manifestation? On fait ce type de manifestation déjà pour, un, apprendre à se connaître. De vous faire connaître et avoir besoin de vous diriger. Je prends par exemple le service école, je prends par exemple, vous avez un bateau, vous voulez aller sur le port de plaisance, vous voulez connaître les inscriptions au foyer restaurant, enfin l'ensemble des services que la commune est en droit et surtout en capacité de mettre en avant, vous devez savoir qui les gère, que ce soit au niveau des élus, mais aussi au niveau des techniciens. Donc je vais appeler à venir me rejoindre l'ensemble de mes adjoints. Je vais les présenter un pour que vous voyez un petit peu sur toute leur délégation. J'appelle ma première adjointe, Catherine Bécou, qui est en charge de la jeunesse banque, ainsi que des personnes et des finances.
Marie-Lise Guinet, en charge de l'éducation, restauration et transport scolaire de l'organisme. Monsieur Gilbert Glacé, en charge de l'étang, environnement et développement durable. Magali Ramos, en charge de la culture, patrimoine, festivité. On s'enfile un peu devant vous, mais l'essentiel vraiment, et je vous le redis, c'est qu'on puisse mettre un peu des visages sur des noms, mais surtout que l'on puisse discuter, parce que l'objectif de ce soir, franchement, c'est pas m'écouter parler, c'est surtout de pouvoir discuter les uns avec les autres en dégustant quelques petites spécialités. Ensuite, j'appelle M. Sachs, en charge de l'accessibilité, travaux, cas de vie. Marie-France Piquéry, en charge des solidarités, du CCAS et du logement. Monsieur Alain Rêve, en charge de la prévention sécurité, quartier et cimetière. Ensuite, Marie Péraget, en charge de l'agenda 21. On a Patrick Méricosta en charge de la valorisation du patrimoine. Et enfin, Monsieur Franck-Elmas en charge du centre nautique municipal et des espaces verts. Voilà pour les adjoints et les derniers étaient les conseillers délégués. J'appelle également les conseillers municipaux, Henri Franche-Coste. Victor Journée, Lucie et une personne. Les autres ne sont pas excusés, sauf si j'avais oublié qu'il lève le bras ou qu'il vient vite en criant et en courant. Donc Lucille qui est en charge notamment du conseil municipal des jeunes. Donc des services, et quand on dit services, on passe avant tout à la direction générale, à la directrice générale, Madame Christelle Aversa, la directrice générale. Alors c'est très simple, nous on a des idées, et les services sont là pour les mettre en musique, ou pas, et nous dire non, c'est pas possible, et ici c'est souvent non, financièrement on peut pas. Donc c'est ma petite voix qui me dit ça, on peut pas, non, arrête. Nous avons notre directeur de service technique, M. Laurent Claude, ainsi que le coordonnateur, M. Thomas Cohen. Thomas Cohen, alors Laurent Claude. Bien, c'est pour tout ce qui touche aux travaux dans la ville et tout ce qui touche au cadre de vie. Alors, il fut un temps, je donnais la parole à chacun. On a décidé de faire un peu plus court, hein, si vous me le permettez. Je passerai peut-être la parole à la directrice générale, qui me dira un mot global. Nous avons notre chef de police municipale, M. Christian Pauvès. Nous avons notre directrice des ressources humaines ainsi que notre directrice des finances, Béatrice aujourd'hui, Béatrice. Nous avons notre maître de port, Jean-Marc Cavalloni. Nous avons la directrice du service entretien-restauration, Julie Guette. Notre parent qui supervise l'ensemble des services scolaires. La directrice de l'un des gros services de la commune, championne de monde, le service jeunesse et sport, Frédéric Berlini. La directrice de la crèche, Stéphanie Doué. La responsable de notre centre communal d'action sociale.
sociale, donc c'est celle de Céline Panelès. Notre réponse à la bibliothèque, non, que dis-je, notre médiathèque, médiathèque Roselyne Hetel. Et je voudrais appeler M. Gérard Albert, qui est le président de l'Office du tourisme et qui nous accueille ce soir. Merci Gérard. Merci Gérard de nous accueillir ici. Ça fait des blessés ? Bon. Allez, on va rentrer dans le du sujet. J'ai souvent deux petites voix, la directrice générale et ma première adjointe. J'ai oublié, mais c'était pas marqué sur le document. J'ai oublié notre responsable de la com, il est où? Renaud Tourté, il est là-bas au fond. Renaud. Les mauvaises langues disent que tu étais derrière le bar, c'est pour ça qu'on a besoin de ça. Alors, tout à l'heure, je discutais en aparté avec certains d'entre vous. Et c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire qu'on arrive à Saint-Chamin un peu par hasard et qu'après on a du mal à en partir. Moi, j'ai pas pu m'en apercevoir, j'y suis né. J'y suis né il y a 48 ans, j'ai toujours vécu ici et c'est vrai que j'aurais du mal à partir de Saint-Chamin. Mais je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là. Et je pense que même les professionnels qui viennent travailler ici quelques années auront du mal à partir. Pourquoi on a du mal à partir de Saint-Chamin ? Aussi a priori le dimanche et le mercredi, mais on a aussi la petite Camargue, qui est un site quant à lui ouvert, que vous avez quand vous arrivez de Marseille et que vous avez en contrebas avec des superbes marées. Et puis à certaines périodes, nous avons également un certain nombre d'élevages plus loin qui font que ça donne un autre cachet à ce site. On a de nombreux plateaux avec pareil les espaces boisés, le plateau Lina. On est proche du domaine de Sulos, on a un certain nombre aussi de parcs. Donc on a des richesses au niveau des temps, au niveau des parcs, mais on a aussi un patrimoine historique important. Notamment, on a ce porte-à-faire, ce pont romain, qui a plus de 2000 ans et qui n'est toujours vu depuis. Et on a un certain nombre de bâtiments classés comme l'église, comme le lac des et pour notre pont, le viaduc de Saint-Léger, pour nombre de monuments historiques qui font de Saint-Chamin, entre guillemets, excelle au niveau environnement, au niveau patrimoine et au niveau écologique, puisque l'ensemble de ces éléments font que sur ce créneau-là, nous devons agir et interagir. Mais on n'a pas que ça, je l'ai dit, 8400 habitants, on a un certain nombre de services. Vous l'avez vu à travers la présentation de certains collègues, un certain nombre de services, et notamment on a une crèche, notamment pour les plus petits. On a 5 écoles au total, 3 écoles maternelles, 2 écoles primaires. Je l'ai dit tout à l'heure, un collège, un lycée, donc on a un lycée professionnel. Donc on a une belle filière et on a de nombreux élèves qui quotidiennement étudient sur Saint-Chamin. Et je peux vous dire, les étudiants sont de très bonnes conditions. Tout à l'heure, je parlais du budget communal. Sur le budget communal, tout ce qui touche à l'enfance, la jeunesse, petite enfance, jeunesse, enseignement, éducation, c'est le poste le plus gros en matière de dépenses de fonctionnement. C'est là où on met le maximum d'argent, de mémoire sur hors salaire, sur 100 euros, on est à plus de 25 euros mis sur nos jeunes, l'enfance et l'éducation. Donc je crois que c'est un petit peu un ratio important à mettre en avant, puisque notre commune veut se tourner sur cette belle jeunesse, notamment avec l'ensemble des services que nous voulons offrir aux enfants, mais surtout aux parents, puisque là aussi, un certain nombre de services sont mis à disposition des parents. Et je pense notamment à toutes vos démarches, le guichet libre, qui vous permet d'avoir accès à l'interlocuteur pour l'ensemble des services que nous avons. Il y a énormément d'associations sur notre commune, il y en a une centaine. Très actifs, vous verrez au fil du temps, vous le verrez notamment lors de la journée des
à ce moment-là, de reprendre toutes les associations qui présentent l'ensemble de leur offre de services. On a également, au-delà de l'année associative, l'économique, commerciale. Et vous verrez tout à l'heure, je vous présenterai les personnes qui sont avec nous, qui vont déguster des produits locaux. Ce sont des entreprises de Saint-Charles. Au-delà de l'ensemble des associations qui nous apportent au quotidien, on a aussi, on fait partie de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc Saint-Charles fait partie des 92 communes, cette grande métropole, au sein duquel on essaye d'exister et de faire entendre notre voix. En tout cas, c'est ce que moi j'essaye au quotidien, je suis un poste de vice-président. On fait également partie d'un sous-ensemble qui s'appelle le Conseil du territoire du Pays Saint-Denis. Puisque là aussi, on a cette identité encore marquée de notre appartement sur une ancienne intercommunalité qui était la capitale de Provence et sur lequel, donc, avec 17 communes autour de Salon, nous étions très liés et nous faisions énormément de choses. Voilà globalement ce que je voulais vous dire par rapport à une présentation un peu carte postale de notre commune. Mais je crois que c'était important que vous brossiez un petit peu ce que vous pouvez trouver sur Saint-Charles, ce que vous pouvez voir sur Saint-Charles. Et puis surtout, comme je le disais, ce type de manifestation, c'est vraiment pouvoir discuter maintenant à la bouche sur l'ensemble des points que vous avez pu évoquer ou pas, ou l'ensemble des points que vous avez pu rencontrer au moment de votre installation, des points qui fonctionnent, qui dysfonctionnent, parce que principalement, on préfère parler de ces points-là, parce que c'est important d'essayer toujours de se fixer comme objectif de vouloir s'améliorer. Celui-là, si c'est pour voir ce qu'on pourrait, si c'est d'être bon, là nous c'est avec nos équipes pour se donner au quotidien dans les actions. Voilà, donc pour clôturer et avant de passer la parole à M. Bénifeux, je voudrais, tout à l'heure j'ai parlé de ces trois entreprises locales qui sont là et qui sont à nos côtés pour nous faire découvrir leurs produits. Nous avons le domaine de Suriac, Alexis qui s'y présente, le domaine de Suriac, qui est là pour nous faire découvrir. Produit sur Saint-Charles, mais sur le bouton, vous l'avez en contre de route lorsque vous allez vers la phare de domaine de Suriac. Nous avons la boutique de Marie-Bernard avec lui. La boutique de Marie-Bernard a également une usine de Sambon, puisque une usine qui fête bientôt ses 70 ans. Hein, je crois qu'on fête les 70 ans. Non, c'est pas 60 ans, on a fêté les 60 ans. On a fêté les 60 ans. Donc, on a deux autres structures de Saint-Charles qui ont fêté leurs 70 ans à la fin du mois. Donc, la boutique de Marie-Bernard célèbre pour sa soupe de poisson, tapenade et autres. Mais dernièrement, j'ai parlé des anguilles. Vous avez fait des bateaux d'anguilles en conserve et on avait fait ça pour cette manifestation des anguillettes. Ça avait été un grand succès. Et nous avons Valentin qui représente l'étang de Pierre. Il a effectivement. C'est un buffet qui a été réalisé par des élèves du lycée professionnel. Des élèves du lycée professionnel encadrés par le chef de travaux, M. Chapelle, Mme Romani, responsable de la section agent polyvalent restauration, et M. Bouyanis, qui est là ce soir, responsable de la section APP. Et ce soir, pour vous servir, nous avons Vincenzo, Hugo et Laure qui seront là donc, pour vous faire déguster ce qu'ils sont capables de réaliser dans le cadre de leur formation. J'insiste, M. le Président. J'insiste, un grand merci pour vous régaler toujours, pour assurer ce genre de prestation. Et je vous dis à un restaurant d'application où vous pouvez jouer les réservations, aller manger, sauver les enfants et pas. Et je peux vous dire, c'est d'un très grand niveau. Vous avez également un petit
un petit savon qui vient d'une savonnerie de Saint-Chamin qui s'appelle la savonnerie du Basse-Roseau. Je crois que ça aussi, on peut les remercier puisqu'ils sont aussi partenaires de la commune en permanence. Un petit coucou à Jonathan Michoud pour la sonorisation et la préparation de la salle avec l'éclairage. Et puis, bien sûr, les élus, en premier lieu Marie Guidé qui nous a concocté cette soirée, les élus et l'ensemble des services qui ont œuvré pour que cette soirée soit une réussite, en tout cas je l'espère. Moi, pour moi, mon degré de satisfaction, c'est le temps d'échange que j'aurai après, hein, le temps de discussion. Si je pars à 8h, je pense que je serai insatisfait. Si je pars à 9h, je vous dirai finalement, ça a été productif cette soirée. Madame la directrice, vous voulez dire le mot ? Non, tout a été dit. La bienvenue à toutes et à tous. Et comme disait M. le maire, tous les services, chefs de service, collègues, en œuvre pour que vous puissiez le vivre le mieux à Saint-Chamin. Voilà, pour ces moments, essayer de satisfaire le plus grand nombre. Voilà. Vous pouvez l'applaudir parce que vous avez la chance d'avoir le maire que vous avez. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, c'est un immense bonheur d'être avec vous ce soir et de vous souhaiter la bienvenue à Saint-Chamin. Monsieur le maire, vous avez dit, vous avez dressé une carte postale idyllique de votre commune et vous avez raison. Vous avez dit, on arrive à Saint-Chamin par hasard. Moi, je considère que à partir du moment où on choisit l'excellence, on choisit Saint-Chamin, et bien c'est pas par hasard. Vous avez choisi l'excellence parce que ici, vous avez un développement économique qui est réfléchi. Ici, vous avez un monde associatif qui est d'une qualité comme vous ne trouvez sur aucune commune. Ici, vous avez un environnement d'exception et je souhaiterais mettre en avant notamment le parc de la Poudrerie. Le parc de la Poudrerie où vous vous retrouvez en fin de compte en Camargue. Tout cela, cette mise en avant de cette commune, ce travail réalisé au quotidien, c'est pas moi qui le fais, c'est l'ensemble des personnes autour de moi et c'est avant tout eux que je souhaiterais mettre en avant ce soir parce que si je suis si fier de prendre le micro en disant vive Saint-Chamin, c'est magnifique, c'est avant tout parce que vous avez un maire exceptionnel, une équipe qui s'investit au quotidien et des services avant tout à votre disposition. Alors je ne vais pas être plus long parce que l'objectif c'est que Monsieur le maire puisse échanger avec vous, que je puisse aussi échanger avec vous. J'ai un seul mot à dire, c'est peut-être pas tout mais ça vient du fond du cœur. Vive notre belle Provence et vive Saint-Chamin. Merci beaucoup. On va continuer en chantant à nouveau centre. Restez là, le conseil des sages avec les gens qui va chanter, compris nos jeunes. Juste pour vous dire, nous avons la chance d'être dans cette superbe chapelle qui sert de fond de tourisme, mais qui est aussi une salle d'exposition. Et si vous regardez les et la façade là-haut, vous verrez une magnifique exposition de M. Faure. Ce sont des peintures à l'encre de Chine qui réclament une technique vraiment assez exceptionnelle. C'est bon ? C'est bon, ça ? Thank you.
Thank you.